cloquer très très fort. Alors, l'hymne ukrainien, on le refera effectivement. Hein, je vous ai dit que c'était une répétition. Et puis c'est tout un symbole, cet hymne des femmes. Parce que vous savez que ce projet de réforme, mais je ne vous apprends rien, va impacter, malgré tous les mensonges qu'on entend, notamment de la ministre des Femmes. Alors, nous avons mis d'autres chanteurs et d'autres chanteuses, et puis aussi une chorégraphie. Tout à l'heure, on vous proposera, avant de démarrer, qui s'adresse à notre président de la République. Président de la République, il y a fait une petite session. Vous avez peut-être entendu, et je ne sais pas s'il perd son latin, mais en tout cas, il a perdu son anglais ces derniers temps. Everybody know the rule. Voilà ce qu'il nous a dit. Alors ça lui fait mal aux oreilles des profs d'anglais. Et ce qu'il disait, pour un gars qui parle anglais couramment, on a l'impression que c'était une palpitation de Chirac. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Aujourd'hui, depuis le 5 décembre, donc il faut mériter vraiment à la fois votre respect et votre soutien. Donc nous, au niveau de l'énergie, effectivement, on est en grève depuis le 5 décembre, un peu comme beaucoup de monde. Et donc au niveau de l'énergie, on a beaucoup de coupures qui se font dans le pays. Et donc nous, pour Auxerre, il y a eu des coupures qui ont été réalisées et revendiquées par notre fédération. Donc en l'occurrence, il y a eu la zone industrielle des Clairions avec l'hôtel de police et des radars qui ont été coupés. Voilà. Merci en tout cas, et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport aux 500 000 coupures de courant. Je pense que le symbole est fort. On a coupé le courant à l'hôtel de police. Bon. On n'ira pas vous dénoncer, camarades. Surtout qu'il faudrait aller vous dénoncer auprès de la police, ils ne pourraient pas prendre puisque le courant est coupé, mercredi, ça devient compliqué. Il y aura une grosse journée ce jour-là. Entre aujourd'hui et le 29, il y a d'autres jours. On est plusieurs grévistes en grève depuis le 5 à tenir, à aller voir nos collègues dans les établissements. Et on veut continuer, on n'a pas fait tout ça pour rien. On sait très bien que la réforme des retraites, c'est pas que le problème des retraites. C'est Macron et son monde. C'est les gens qui ont de l'argent, qui sont quelques-uns, qui décident pour les autres, qui nous mettent en opposition, qui veulent jouer la division, qui veulent jouer le pourrissement. Nous, on veut pas. On veut pas de ce monde-là. Hein. Il y a eu la loi travail, il y a eu plein de choses avant. Il y a les acquis du Conseil national de la Résistance qui ne sont pas des acquis, qui sont des conquis qui ont été obtenus par la lutte. C'est pas en quelques jours. C'est une vraie lutte. C'est un combat. Nous, on a commencé le combat là. On ne va pas s'arrêter là. Les cheminots, ils n'ont pas perdu un mois de salaire pour rien. Les enseignants qui sont en grève. Les gens dans les hôpitaux, il y a des hôpitaux qui ferment, il y a des maternités qui ferment, il y a des écoles qui ferment, on peut crever, ils en ont rien à foutre. Donc on va continuer à se battre. Nous on veut continuer à se battre. Alors est-ce qu'aujourd'hui tous ensemble, on décide qu'on continue, on appelle à continuer la grève pour ceux qui peuvent à se mettre en reconductible dès maintenant, à être nombreux le 29 et à continuer. Qui est pour? Qui est pour le reconductible? Qui est pour continuer lundi? Qui est pour qu'on soit nombreux le 29 et qu'on ne lâche pas? Alors tous ensemble on y va et on continue. On peut pas perdre. On peut pas perdre cette bataille-là parce que si on perd celle-là, ça va être très compliqué de continuer. Donc il faut qu'on soit tous là, on est debout, on est vivants. Thank you.
Et puis comme on l'a dit, effectivement, nous sommes la semaine prochaine encore avec un rendez-vous. Hein, pour la fin, il y a un point fort, mercredi 29. Vous voyez bien, les autres équipes vont peut-être pas trop communiquer au niveau des grands médias, en tout cas. On vous donne rendez-vous, nous, à partir de 14h, mercredi 29 janvier, dans la section académique. Parce que en ce moment, on a une vie de l'air, des dotations pour les établissements, et on va lutter, mais c'est toujours moins de retraites, moins d'enseignants dans les classes, moins de services publics, et des gens plus en plus riches tout en haut, ça va pas. Thank you.
Thank you.
Thank you.
C'est vrai que c'est un peu